parler de la France, parce que c'est en fait le pays qui a été le plus innovateur et qui expliquait le plus, qui respectait le plus le thème. Du coup, qui parlait beaucoup de la monoculture, de comment se nourrir, enfin les énergies de demain, tout sur le gaspillage, comment garder l'eau, enfin, c'était très intéressant. Voilà, après, je ne sais pas quoi dire de plus, mais t'as visité quel pavillon? France, Angola, le Brésil aussi, Azerbaïdjan. 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 Et puis plein d'autres, donc à peu près une dizaine. Et il y avait énormément de pays représentés. Le pavillon qui nous a le plus plu, c'était l'Autriche. C'était un gros building en fait, comme une école, une bibliothèque qu'on peut construire actuellement, à laquelle à l'intérieur il y avait une grosse forêt avec un ruisseau. Et en fait, cet espace naturel permettait une climatisation entièrement naturelle et apportait de l'oxygène entièrement pur pour une bibliothèque ou une école. C'est un concept qui mettait en avant et moi qui m'avais bien plu. Voilà, par exemple. On avait aussi visité le pavillon de la Corée du Sud qui mettait lui en avant le gaspillage. Et avec des œuvres très modernes et bon, très abstraites aussi. Très difficile. J'ai travaillé sur l'éducation alimentaire. On s'est rendu compte en visitant le nombre de pavillons que l'éducation alimentaire était vraiment importante. C'est ce qui permet par la suite de limiter le gaspillage. Éviter de trop consommer d'énergie. C'est quelque chose de vraiment important. Et on a pu, surtout sur le supermarché du futur et sur le slow food. Donc le slow food, c'est en fait l'inverse du fast food. C'est l'éducation de prendre le temps de bien manger, bien se nourrir, savoir ce qu'on mange et s'éduquer en fonction. Et du coup, le supermarché du futur, c'est surtout sur l'évolution, comment évoluent les grandes surfaces, comment on communique sur la nourriture et comment faire évoluer cette communication. Et c'était vraiment important parce que pour nous, les entreprises, ça nous a permis de découvrir des moyens utiles pour communiquer beaucoup plus facilement avec les clients. À cette expo universelle, la conclusion, les observations que j'ai pu en faire, c'est déjà que cette expo universelle, c'était un peu un dos pour la planète entière pour montrer qu'aujourd'hui, c'est parti. Toutes les nations, beaucoup les nations de notre planète ont conscience qu'aujourd'hui, on a vraiment un problème dans notre façon de fonctionner, je parle de l'humanité en général, par rapport à la gestion des bordels. Et donc, qu'il faut mettre toutes ces choses en application dès maintenant pour évoluer et pour nourrir toute la planète, comme c'était le thème de cette expo universelle. Par rapport à la notion, par rapport à ce que ça va nous apporter, nous, plus précisément, dans nos métiers. Il y a des salariés qui disent ça. Est-ce que je vais devoir le payer ou faire un ingénieur? Et ça, c'est l'ingénieur, mais en même temps, c'est construit dans un parcours professionnel. C'est-à-dire que dans cette entreprise, la personne qui a mis le pied dans le métier, qui est devenue ingénieur, et bien, à un moment donné, dans son parcours professionnel, on va lui dire, voilà, tu vas prendre la responsabilité de l'agence. Vous pouvez déjà faire, c'est prendre des passeports, avoir des papiers valides. C'est pas toujours fait. Après, début septembre de l'année d'avant, vous contactez la Calimonde. On a une adresse mail, cvpddinternational@gmail.com. Vous pourrez revenir me voir juste après. Donc vous pouvez préparer aussi votre CV, un book photo et une lettre de motivation. Nous, après, on va vous répondre à la Calimonde. Bien sûr, il faut être en règle. Sinon, on vous le fera, on vous le redira.
On va prendre contact avec vous, on va vous appeler, voir votre objectif de l'année à l'international. Et après, on va vous demander aussi un compagnon référent. Une fois votre projet validé, on va vous demander de contacter le service à l'international à Paris. Et on va vous envoyer aussi vers un référent du pays concerné. Donc le service à l'international à Paris. Merci de la tenue, parce que au niveau des pauses, au niveau du timing et au niveau des échanges, ça a été une première journée de qualité. Je pense qu'il faut le souligner. Alors demain, je ne vais pas vous présenter votre jour demain, mais par contre, j'ai juste la petite information pour démarrer demain matin, puisque demain matin, on commence à 8h précises. Donc quand on dit 8h précises, vous avez vu ce matin, on a commencé à 10h précises. On a commencé à 14h précises. On va manger peut-être un peu en retard, hein, mais après, on a la soirée. Grâce à toi, j'ai vu que la moitié des pays. Je suis super content.